Le problème avec ce type de réservoir en acier sur ce générateur, par exemple, c'est que si on n'y fait pas la maintenance assez régulièrement, et ben ça rouille et ça donne ça. Donc ça donne ça dedans et ben ça se bouche, ça bouche tout le système d'alimentation en carburant. Alors, ben ça c'est un problème qu'on a quand même assez régulièrement sur ce type de générateur, avec la condensation que ça fait à l'intérieur du réservoir. Et puis il suffit que ben, il soit à l'extérieur, qu'il prenne un petit peu d'eau, que votre essence ne soit pas complètement pure, etc. Et puis en quelques années, ben, votre réservoir est tout pourri comme ça. Donc il faut le nettoyer. Et puis ben, ça impose que ben, déjà votre générateur généralement il s'arrête puisque ça bouche complètement le circuit d'alimentation au niveau du calbut ou des injecteurs si c'est avec une injection. Donc là, ben voilà déjà un premier jet de tout ce que j'ai sorti comme rouille. Donc ça, c'est de la pure grassouille. Hein. Ça fait des gros morceaux, ça fait des petits morceaux, ça fait de la poussière. Là, j'ai vidangé et puis on a ça. Donc ben, tout le bas là, c'est une espèce de bouillie. Sur le haut, on a de l'essence. Là, elle repose déjà depuis une bonne demi-heure, donc les crasses ont commencé à descendre. Mais tout en bas, donc c'est de l'eau mélangée avec de la pâte de rouille en fait. Bon, première chose, on va commencer par le nettoyer un peu à l'intérieur. Donc, je vous conseille d'enlever, s'il a un petit système de jauge comme ça, vaut mieux l'enlever. Comme ça nous fait un orifice en plus où on peut attraper. Il faut aussi démonter là le système de robinet. Donc, hop. Là, on a le robinet de sortie qui est monté comme ça. Donc, ça, il faut l'enlever. Et puis, normalement, à l'intérieur, on a une petite crépine de ce style. Alors, comme là c'était le cas, et ben la crépine était complètement bloquée à l'intérieur, ben, de par le tas de crasse qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, il faut enlever et puis ça, la crépine, on la nettoiera plus tard. Si jamais le tamis il est percé, je vous conseille d'en acheter un autre. Ça vaut absolument ben, que dalle, hein, ça vaut à peine quelques euros. Donc il vaut mieux avoir une petite crépine en bon état, donc avec les tamis en bon état. Alors, bah, bien sûr, ça nous demandera aussi après de déposer le carburateur et de nettoyer ça. Mais on verra ça en deuxième partie de vidéo. En premier lieu, je vais faire le nettoyage du réservoir puisque c'est lui qui nous pose le plus de problèmes. Je vais prendre un objet contondant, ce qu'on peut, et histoire d'aller déjà gratouiller un petit peu au fond de ce qu'on voit, donc de toutes les parties qu'on peut accéder. Donc soit par ici, donc là j'ai une espèce de pied de biche que j'ai, donc ça permet d'aller gratter un petit peu aussi. Et puis par l'orifice de jauge aussi. Donc premier lieu, gratter tout ce qu'on peut comme ça. Sortir en grattant, ça va déjà en sortir pas mal. Donc ça, c'est mieux de le faire. Une fois que le réservoir est sec, c'est-à-dire on draine le réservoir de toute l'essence et puis on laisse sécher à l'air libre ou à la soufflette si on a une soufflette, histoire que la roue qui soit dedans va à peu près bien, entre guillemets, se détacher. Quand c'est mouillé, ça fait une sorte de boue et c'est beaucoup moins pratique. Donc le laisser sécher et gratouiller dedans. Donc une fois que j'ai bien gratté au maximum à l'intérieur, je vais prendre du petit gravier, donc à peu près voilà, de cette taille-là. Je mets ça dans une passoire pour essayer de sortir le plus possible de poussière et essayer d'avoir du gravier pur. Ben, ensuite, tout simplement, je vais prendre mon gravier et je vais le mettre dans le réservoir. Voilà. Donc faut pas hésiter, hein, ça en demande quand même pas mal. Là, je le remplis pas non plus, hein, j'en mets quelques poignées.
Voilà. Et là, je vais secouer tout ça. Allez, je bouche l'orifice ici de ma petite vanne. Donc c'est une opération qui va prendre quand même pas mal de temps. Il faut arriver à le bouger vraiment dans tous les sens et pour grenailler un petit peu à l'intérieur du réservoir et sortir toute cette crasse qu'on a. Bon, donc on doit quand même le secouer assez énergiquement et puis dans tous les sens. Et au bout d'un petit moment, donc on aura déjà commencé à décoller de la crasse et on va vider ce gravier. Alors, je dis pas que c'est une opération qui est super facile, hein, parce que sortir les graviers par les petits trous qu'on a, surtout quand il n'y a pas de jauge, le sortir par l'orifice de remplissage, c'est pas facile. Mais c'est quelque chose qu'il faut répéter. Donc, on voit bien la différence de couleur entre le gravier propre et le gravier qui sort toute rouille ici. Donc, on jette le gravier avec les crasses. On remet du gravier propre et puis on continue. Donc on va faire ça quand même plusieurs fois. Une fois qu'on a terminé cette opération de sablage ou grenaillage en fait à l'intérieur, on va remettre du carburant et drainer ce carburant qui va nous enlever quelques poussières. Donc cette essence qu'on a remis dedans, on va la drainer et puis on va voir, les premiers jets de ça seront super marron, donc il faut absolument en mettre et que ça sorte à peu près clair. Donc cette essence, on peut la filtrer pour se resservir de la même, parce que l'essence dont on va se servir pour ça, eh ben, il faudra la jeter parce qu'elle sera quand même super chargée en rouille. Et c'est pas génial d'utiliser ça de nouveau dans un moteur. Bon, une fois que ça sort à peu près propre, on va ressécher l'intérieur de notre réservoir et puis inspecter et voir s'il n'y a pas encore des tas de boue quelque part qu'on peut rediscerner. Si c'est le cas, eh ben, il faut remettre du gravier, hop, resecouer, revider les graviers et repasser de l'essence propre à peu près entre guillemets propre à l'intérieur pour enlever toute cette poussière. Alors bah, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, mais ça peut quand même vous sauver assez bien un réservoir et puis surtout vous sauver le générateur, surtout si vous en avez besoin, hein. Une fois que notre essence qu'on met dedans ressort claire, on peut remonter l'ensemble. Alors, la deuxième étape après avoir nettoyé le réservoir, ça va être de nettoyer le carburateur qu'on a ici par le côté, on le voit un petit peu mieux ici. Donc, il va falloir déposer tout ça, la partie filtre à air et le carburateur pour sortir toutes les crasses qu'on a dans le carburateur. Alors, il ne va pas suffire seulement d'enlever la vis de purge du bocal ici. Donc ça permet quand même de vider tout ce qu'on a dans le bocal pour vider tout ça. Mais si on avait pas mal de crasse à l'intérieur de notre réservoir, eh ben, il est tout à fait possible que ça nous ait bouché les petits passages d'essence et les gicleurs. Oui, je sais, pour ceux qui ont bien remarqué, c'est pas le même générateur, mais c'est pareil. Alors, généralement, ouvrir les boîtes à air, ça n'a rien de compliqué. Bon, ici, c'est simplement des petits clips qu'on a. Et puis, de l'autre côté, ça sort tout seul. C'est un système de charnière. Bon, il y a certaines boîtes à air qui sont maintenues par des vis, mais c'est exactement la même chose. On enlève le filtre à air, qui est souvent un filtre à air, tout simplement une mousse humectée d'huile. Et puis, on a à l'intérieur, ici, et là, voilà, on a les vis qui nous maintiennent la boîte à air sur le carburateur. On va donc tout simplement défaire ces deux petites vis. Alors bien sûr, il faut déconnecter la petite prise de reniflard qui est là. Il va falloir déconnecter la tige d'accélérateur qui se trouve ici. Et puis bien sûr aussi notre tuyau d'essence.
Tout d'abord, je vais commencer par démonter le bol, donc avec la vis qui se trouve dessous. Il arrive quelquefois qu'il n'y ait pas ce système de vis dessous et puis de vis de purge du bol, mais où le bol est tenu par des vis latérales. Donc ça revient au même, le but c'est d'enlever ce bol. Une fois démonté, on va venir nettoyer tout ce qu'on a dedans. On peut aussi sortir la vis de purge si jamais c'est sale, surtout si c'est une vis de purge qui passe par dessous et où ça fait une petite canalisation, les graisses ont tendance à s'accumuler dedans. Bon, ensuite, tout simplement, dépose du flotteur, on retire l'axe. Évidemment, d'une main en filmant, c'est pas forcément facile. Voilà, flotteur avec le pointeau. Il faut vérifier l'état du pointeau, donc notre petit joint noir qui se trouve ici, qui ne soit pas abîmé. Sur des carburateurs qui sont beaucoup plus anciens, le pointeau avait une petite portée en laiton. Et puis on a donc juste ici l'arrivée d'essence. Donc là, il suffit de souffler par notre prise où le tuyau arrive du réservoir, souffler à l'intérieur pour que ça sorte les crasses qu'on a ici. Et puis là, on va démonter le gicleur qui se trouve à l'intérieur. Alors, ce qui est important pour démonter ce gicleur, donc ça se démonte avec un tournevis plat, directement comme ça par l'intérieur. Il faut toujours chercher à avoir le tournevis qui le plus grand possible qui rentre à l'intérieur pour démonter ce gicleur. Si j'essaye moi avec ce petit tournevis par exemple, il est tout à fait possible que j'endommage le gicleur à l'intérieur. Ça, ce tournevis là est trop petit. Il y a du jeu en latéral et on risque d'abîmer l'empreinte. Si je prends ce tournevis là, j'ai la tête du tournevis qui est adaptée à l'empreinte et là je peux forcer, je ne risque pas d'endommager cette empreinte. Donc à l'intérieur, on a en premier lieu notre gicleur. Donc lui, on a un petit trou à l'intérieur qui doit être débouché. Et puis ensuite, on a un tube avec des multiples trous sur les côtés et puis au milieu. Et donc ça doit automatiquement être bien propre et tous les petits trous doivent être débouchés. Alors pour nettoyer l'intérieur du carburateur, si vous avez accès à des produits en bombe comme ça, nettoyant carburateur, nettoyant injection, etc. C'est à peu près tous pareil. Donc ça, utilisez et puis à pulvériser bien copieusement partout à l'intérieur de notre carburateur, que ce soit dans la partie basse ou que ce soit dans la partie haute, sur le papillon des gaz et puis le papillon de starter aussi, et puis les petites entrées d'air comme on a ici sur le côté. Donc histoire de bien déboucher tout ça, on peut aussi en faire passer par le circuit d'essence. Bien sûr, en pulvériser aussi sur notre gicleur et sur notre tube d'émulsion. Alors par contre, si vous n'avez pas un produit de ce type, pour nettoyer ça, n'utilisez surtout pas de brosse métallique. Mais on peut très bien prendre un petit morceau de fil électrique, du câble souple, et puis défaire un brin et passer ce brin en fait à l'intérieur des trous histoire de nettoyer tout ça. Donc là c'est du fil de cuivre, sur les pièces en laiton vous risquez pas de les abîmer. Ne passez surtout pas un petit foret ou une aiguille en acier puisque vous pourriez endommager en fait les passages. Mais avec un fil comme ça, si le trou est un petit peu plus gros, bien vous en mettez deux ensemble, deux petits brins ensemble que vous pouvez torsader et puis ça fait une mini brosse pour nettoyer. Bon, une fois qu'on a bien nettoyé tout ça, ben c'est tout simple, il n'y a rien d'autre à faire. On remonte tout en faisant bien attention à comment c'était avant bien sûr.
À savoir que les bols comme ça sont à serrer avec modération. Il y a des petites portées de joints qui sont ici, hein, donc ça, il faut y faire attention. Il y en a certains qui ont des joints en caoutchouc, d'autres qui n'ont pas de joints en caoutchouc. Pour ceux qui ont des joints en caoutchouc, il est préférable de les enlever avant d'utiliser ce système de nettoyant carbu ou injection, etc. Ça a tendance à les détendre un petit peu. Donc, il vaut mieux enlever les joints caoutchouc avant de pulvériser ce produit. Donc, sinon, rien de spécial. Tout ça, on remonte. On vient le remettre en place ici ensuite. Et puis, ben, on n'a plus qu'à refaire fonctionner tout ça. Allez, bah, c'est reparti pour un tour. Par contre, bah, je vous conseille d'aller voir la vidéo là où je parle un petit peu de tout ce qu'il y a à savoir sur les groupes électrogènes. Et puis surtout, bah, je vous incite à maintenir votre groupe, à vérifier les niveaux d'huile, à changer l'huile. Et puis surtout, pour éviter ce problème de rouille à l'intérieur des réservoirs, et bien de temps en temps, de le vider et de le sécher complètement. Voilà. Bon, et bien moi, sur ce, ben, je vais continuer. Et puis je vous dis ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!